Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve en compagnie de Mini Lélé qui est là-bas derrière en train de trotter pour une séance commentée en direct. Vous allez voir comment je lui apprends les choses. Je ne suis pas professionnelle, je suis pas coach, j'ai aucune qualification là-dedans. Je le fais vraiment par plaisir, ça fait 3 ans que je lui apprends le poney. On voit des progrès, elle est super contente de pouvoir apprendre avec moi et je suis super contente de pouvoir lui apprendre et lui transmettre ce que je sais, le peu de choses que je sais dans le cheval. Donc c'est parti, on y va, je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe. Tes talons Lélé, tes talons vers le bas. Très bien. Et là tu vas t'asseoir dans ta selle, te grandir et on repasse au pas. Super. Et on repart au trot. Pense à rester sur la piste Léa, regarde où tu veux aller. Si tu regardes vers moi, forcément le soleil il va venir vers moi. Quand tu seras en concours, il y aura plein d'autres personnes avec toi dans la carrière. Donc il faut toujours que tes yeux ils regardent loin devant pour voir où est-ce que les autres cavaliers ils vont arriver. Tu vas changer de sens? Regarde-moi, viens vers moi. En restant au trot, on reste au trot. Tu passes sur les barres. Allez, allez, allez. Passe sur les barres et tu changes de sens. Vas-y, super ça, super. Très, très bien. Faut que tu arrives à faire 2 choses en même temps, hein. C'est ça le poney. Hein. Ah, faut penser à tout. Hein. Les épaules, les mains, les rênes, les talons, le regard, avancer son poney. Hey. Faut avoir 4 cerveaux en même temps. Pense, remets tes talons. Voilà, très bien. Tu vois, maintenant je dis que le mot talon, tu comprends tout de suite. Comment on fait le départ au galop avec soleil? Quand tu seras dans un virage, le virage c'est les angles de la carrière. Tu vois les angles, c'est un angle, c'est ça. T'as 2 murs, ça fait l'angle entre les 2 murs. Ta jambe qui est, voilà, tu t'en rappelles, tu vois, ta jambe qui est de l'autre côté du mur, hop, tu la recules, d'accord? Et ta main qui est vers moi, donc vers l'intérieur, tu l'avances un petit peu. Et il va partir tout seul, ok? Tu te sens prête? On respire un grand coup. Tu veux un peu d'eau avant? Je vais te chercher l'eau. Tu vas faire l'angle là-bas, par au trot. Prends tes rênes plus courtes. Tes rênes plus courtes, tes talons descendus, tes épaules en arrière. Et par au trot. Et quand je te dirai galop, tu prépares pour aller au galop et tu pars au galop. Allez, on trotte, on trotte, on trotte. Et là, tu te prépares pour partir au galop. Et galop. Allez, et super. Allez. Ah, il a touché le fil de la clôture de la carrière. Retourne sur la piste, reprends ton temps. Non, repasse au trot, on va recommencer, c'était très bien. Voilà. Et on y va, galop. Hop. Et on entretient le galop. Mets tes jambes. Appuie sur tes pieds. Appuie sur les pieds, c'est magnifique Lélé ça. Attention à ce qu'il ne s'enfuit pas de la carrière. C'était très bien. On reste là-dessus pour ce côté-là. Continue au pas. C'était super ça. Léa, c'était super. On pleure pas? Bah non. Et on a dit qu'aujourd'hui on pleurait pas du tout, tu te débrouilles super bien, t'es hyper concentré. Donc on continue comme ça, t'as aucune raison d'avoir peur. Il t'écoute super bien. D'accord? Et confiance en toi, faut vraiment que ce soit toi qui aies confiance en toi. D'accord? On est d'accord là-dessus? On refait un check? Allez, on y va. On se motive, on y croit, on n'a pas peur nous. On est des guerriers, on s'appelle Léa. Hein. Oh! Allez, vas-y. Tu t'appelles Lélé, hein? Je rêve. Les Lélé, elles pleurent pas pour rien. C'est pas facile, hein? Elle perd tellement vite confiance en elle. C'est dingue, alors qu'elle y arrive super bien. Tu te prépares. Et au galop! Galop! Magnifique! Regarde devant! Très bien! Veux-tu un peu d'eau, ma chère? Tu fais là. Tu viens au trot, tu viens au trot, d'accord? Pas de pression, tu viens au trot, tes rênes tendues, tes talons vers le bas, ton regard, tu regardes loin derrière ton obstacle, et ça va y aller tout seul, ok?
Mais tu viens au trot, dans le calme. Tu fais le tour, tu passes derrière le plot bleu. Le plot bleu, tu te souviens, c'était là où moi je m'étais mise pour que tu passes derrière moi. Donc tu passes le plot bleu, tu viens entre les deux barres, droit, l'obstacle, et droit derrière, entre les deux barres aussi. Tu vois que je t'ai mis des barres au milieu. Tu les vois, les barres là? Juste là. Quand tu fais ton saut, tu viens entre les deux barres. D'accord? Et derrière, tu vas loin, tout droit, et tu fais le virage pour revenir par là-bas. Est-ce que t'as compris? Roule, mon petit poulet! Mais ça, ma Léa, c'est extra. Tu le refais? Exactement ce que tu viens de faire là. Allez, vas-y. On repart au trot. Mais ça, c'était génial. Tu me fais ça à chaque fois. Moi, je suis au paradis. Toutes les monitrices veulent avoir des élèves pareils. Repasse-le au trot. Tu sais, t'es plus à l'aise, repasse au trot. Comme tu le sens. Dommage que t'aies pas continué tout droit comme tout à l'heure. Tu me le refais en continuant tout droit? Bien comme il faut? C'était... Pour l'instant, on fait pas le vert. On se concentre sur le rouge que tu fais super bien. Mais tu me refais ce que tu viens de faire là, mais en allant juste plus par là-bas, comme ce que tu as fait la première fois. Hop, et tu reviens ici, ok? Tu me le refais comme ça, c'est excellent. Moi, j'en demande pas plus. Je m'en fiche qu'on fasse le vert ou qu'on fasse pas le vert. Là, t'es hyper concentré dans ce que tu fais et c'est tout ce qui compte. On va pas faire le vert, ça la stresse trop. Allez, galop! Très bien. Regarde tout droit. Et reste droit derrière, droit. Ben voilà. Ben voilà. C'est super. C'est super. Check. Je peux pas venir très vite, je suis handicapée. Bah voilà, là t'es contente là, hein? C'était super ça, ma Lélé. Bon alors, maintenant, on fait pas le vert. J'ai compris que tu voulais pas faire le vert, t'aimes pas le vert, c'est ça? Tu préfères le rouge? Je comprends. Tu fais la même chose, exactement pareil, avec le fait d'aller tout droit, de regarder loin et tout, c'est génial. Maïdo, viens. Oh, Maïdo, elle a chaud. C'est ma fille, elle bouge plus. Pense à... Léa, tes rênes, elles sont un peu trop longues. Regarde où tu vas. Très bien. C'est trop bien. Bravo. Je suis super contente. Tu regardes bien devant toi, t'as les rênes à peu près courtes, mais c'est toujours compliqué pour toi. T'es hyper concentrée, tu fais bien les choses. C'est génial. Bravo, ma choupette. On reste là-dessus, d'accord? Ah non, on reste là-dessus pour la vidéo, mais en vrai, maman, elle voulait une photo, donc je vais te prendre en photo sur le saut. Ouais, pour maman. Hein. Ah ouais. Hein. Bon, bah voilà, c'est une fin de séance avec Lélé et Soleil. Contente, ça s'est trop bien passé. Moi aussi, j'essaye d'apprendre en tant que coach à beaucoup plus l'orienter en mettant des barres pour venir droit, en mettant un plot pour savoir où tourner, etc. J'ai jamais été coach, donc j'apprends tout ça. Et c'est cool. Au final, Léa, elle me forme et moi, je la forme aussi. Et c'est sympa. J'espère que tu es contente de ta séance. Voilà, elle est contente, alors je suis contente. Et Soleil, c'est vraiment un petit cœur, il est trop gentil avec elle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a un peu plus montré comment on travaille. Et puis à l'occasion, on fera peut-être la même chose version dressage. Gros bisous tout le monde, ciao. Je leur dis au revoir. Au revoir.